La Fondation Louis Vuitton présente une importante exposition autour de la question de la peinture aujourd'hui, avec des œuvres de peintres, mais aussi des sculptures, des installations. Alors, c'est la première fois depuis 60 ans que la collection Courtauld est montrée à Paris. Alors, le parcours de l'exposition déroule toute une histoire de l'impressionnisme depuis ses débuts. A loan of this extent, this number of pictures, including all of our greatest masterpieces of Impressionism and Post-Impressionism, this is something that hasn't happened in my lifetime. But one of the excitements is seeing the pictures here in Paris in a very, very different context. This is much more contemporary, much more edgy. It feels like some of the energy of the 1870s and 1880s of this Impressionist generation has come back to these pictures. Une raison pour venir voir l'expo, venez voir les plus beaux chefs-d'œuvre de l'impressionnisme en un seul lieu. Une histoire de l'impressionnisme vue au travers du regard d'un seul homme, un homme fascinant, Samuel Courtauld. Faire une exposition qui sera en lien avec cette collection. La collection de Samuel Courtauld est une collection de peinture. Il nous a donc semblé logique de faire une exposition sur le même thème. Donc la peinture a un statut très particulier dans le domaine de l'art et dans le monde en général, puisque tout le monde a vu des peintures, tout le monde a été dans des églises, dans des musées, donc tout le monde sait ce qu'est une peinture. Dans cette collection, il y a principalement des œuvres contemporaines, surtout des œuvres des années 60 à nos jours. C'est une collection qui est résolument portée vers la création contemporaine, même s'il y a quelques œuvres antécédentes. Cette idée de montrer que la peinture, quel que soit l'âge de la personne qui l'a réalisée, quelle que soit la période à laquelle elle a été faite, apporte des questions, des réponses et propose une sorte d'énergie à chaque fois renouvelée.